Bizarre. Oh, bonjour Mitouki. D'une tour de Pise à deux lire, de nom d'une tour de Pise à deux lire. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Mais non, pourtant, elle n'est pas à l'étage. Mais alors, si elle n'est pas ici, si elle n'est pas en bas, mais à moins qu'elle soit sur son balcon. Là, je sens que je perds mon temps et je vais finir par croire qu'elle s'est moquée de moi. La bobinette! La bobinette! Mais qu'est-ce que j'entends? Mais c'est la voix de Giovanni. Ah! Mais vous, au moins, vous êtes là. J'ai commencé à désespérer, Seigneur. Non, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais si. Oh, bonjour, mes tout petits. Non! Et bonjour à toi, Giovanni. Mais oui, en effet, qu'ils sont arrivés. Excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Hein? Buongiorno, les bambini et les bambinettes. Et à vous, Seigneur, puisque je ne l'ai pas encore fait. Hein? Oui. Buongiorno, Seigneur, Seigneur Bobino. Est-ce que Bobinette m'a laissé un mot? Si elle t'a laissé un mot? Oui. Si, pour m'expliquer la raison de son absence. Hein. Figurez-vous qu'elle m'avait donné rendez-vous à 4h moins 2 minutes exactement ici même dans sa maison. Oui. Ben alors, je suis venu, moi, à 4h moins 2 minutes exactement, mais depuis ce temps-là que je la cherche. Oui, mais enfin, si elle n'est pas là, elle n'est sûrement pas bien loin. As-tu regardé dans le grand gymnase ou bien... Ben oui, mais les autres salles du centre récréatif, oui. C'est pas sa maison. Elle a bien dit dans ma maison. Oui, d'accord, mais puisqu'elle n'est pas là... Ben, ça prouve qu'elle n'est pas de parole. Ou alors, si elle avait une bonne excuse, elle aurait dû me laisser une petite lettre explicative. Elle vous en a pas donné une à me remettre? Ah, non, pas du tout. Qui pour cause? J'ai pas de papier à lettres sous la main pour l'écrire, ma lettre d'excuse. Mais c'est elle, ça, hein? Ben oui, mais où es-tu? Ici. Ici? Ah, mon espèce... Attends, je descends pour venir te dire ce que je pense. Ah, ben, alors, mais dis donc, qu'est-ce que tu fabriques, Bobinette? Tu n'as pas entendu nos voix? Si, je vous ai entendu, c'est moi. J'ai pas eu le temps de vous répondre, j'étais tellement occupée. Ah oui? Et peut-on savoir à quoi? Oui, j'arrive. Bon. Oh, là! Un petit instant. Bonjour, les amis! Voilà. Ça va bien? Ben, j'espère bien, oui. Ben, c'est justement, c'est pour vous que j'étais en train de travailler. Ah, oui. Bonjour, Giovanni. Bonjour, n'empêche que c'est pas des façons de procéder. Hein. Que? Tu m'avais donné rendez-vous dans ta maison, là. C'est pas dans ton théâtre que tu devais être. Hein. Même si je te dis que j'ai changé d'avis? Oui. Parce que j'étais mieux dans mon théâtre pour préparer notre grand spectacle d'ombre chinoise. Hein? Un spectacle d'ombre chinoise? Ah oui? Oui, Giovanni, qu'on va présenter tous les deux. Si toutefois tu es d'accord. Mais c'était pour ça. Oui. Mais alors, non seulement je te pardonne, mais évidemment que je suis d'accord, la bobinette. Et moi qui adore faire des ombres chinoises. Et vous connaissez ça, les bambinis, les bambinettes? Ah, oui. Oh, sûrement qu'ils connaissent ça. Oui, on en a déjà fait l'année dernière, vous vous rappelez? Oui, vous vous rappelez, c'est un spectacle au cours duquel on projette des ombres sur un écran. Ah, exactement. Ah, oui. Ouais, et qu'est-ce qu'elle va raconter, cette histoire-là? Eh ben, oui. J'étais inspirée par un dessin qui nous a été envoyé par un des amis. Ah oui? Ben, un dessin envoyé par un de nos tout-petits? Oui, je le montrerai tout à l'heure. Ah, ben, j'espère bien. C'est pas trop te demander. Hein? Tu vas m'aider à finir de préparer notre matériel. Ah bah... J'ai pas tout à fait terminé. Mais ça n'est pas trop me demander, voyons. Alors, vous allez nous excuser, les amis, mais on va se dépêcher parce que je tiens vraiment à ce qu'on vous présente notre spectacle d'ombre chinoise au zoo aujourd'hui même. Ouais. David, je venais. Oui, si, vengo, vengo. Oh, écoutez, là, je ne peux pas. Vous êtes de quelque utilité? Non, on préfère se débrouiller tout seul. Hein? Bon, et dans ce cas. Oh non, d'une bobinette, non d'une bobinette. Bah tu veux dire non d'une tour de Pise à deux lire, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas finir de préparer notre matériel. Bah non, on ne sait pas comment terminer notre histoire, hein? Oui, bah enfin écoutez, peut-être bien que je pourrais vous donner un petit coup de main. Bon, bah je crois que ce sera aussi bien. Oui, c'est vrai. Hein? Un petit instant, on va te présenter le dessin qui m'a inspiré le début de notre spectacle. Ah oui, alors ça c'est un dessin qui a été fait par l'un d'entre vous, mes tout petits.
Ah, oui. C'est... Et voilà. Ah, voilà. Oui, allez, oui, on, oui, on, oui, vous, oui, le fait voir tout de suite. Ah, c'est lui, le dessin. Ah, ben oui, ben oui. Regardez, les amis, regardez. Bien sûr. Alors, ah, c'est un beau dessin, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, d'abord, on va dire qu'il vient de Éric Gervais. Approche Camerio. Qui a 5 ans. Oui, approche Camerio, s'il te plaît. Tiens, montre bien le dessin au tout petit. Éric Gervais. Gervais, qui a 5 ans. De Dupuis, en Abitibi. En Abitibi. Oui, oui. Il représente. Voyez, c'est un petit lapin qui voulait aller au pays de l'arc-en-ciel. C'est beau. Oui, oui, d'ailleurs, l'arc-en-ciel est très, très beau. Puis on voit très bien le petit lapin. Et alors, pour aller au pays de l'arc-en-ciel, il s'est tout simplement suspendu à un paquet de ballons gonflés. Ah oui, voilà. Oui, mais je trouve que c'est une idée vraiment amusante, ça, hein? Ah, ah oui. Je comprends que c'est une idée amusante. Ouais, ouais, oui, ouais. C'est une excellente idée, ça. C'est donc l'histoire, oui, de ce petit lapin, oui, qu'on veut présenter en ombre chinoise, mon grand frère. C'est sauf ça. On aimerait rajouter quelque chose pour la compléter. Mais oui, quelque chose qui aurait pu se passer, là. Quand le petit lapin, il est arrivé au pays de l'arc-en-ciel. Quand on a beau chercher, ouais, on trouve pas. Attendez. Un conseil à donner. Oui, ben justement, là. Peut-être... Oh non, mais attendez, voir où avais-je la tête. Mais j'ai laissé ce qu'on pourrait faire, moi. Tu sais. Oui. Mais si, et j'aurais dû y penser tout de suite. Ce qu'on va faire, en guise de finale, ça va... Avec quoi? Non, si vous permettez, Seigneur Bobino, je ne vais pas le lui dire devant vous, hein, pour que vous en ayez la surprise. T'as raison, oui. Ouais. Alors, les amis, il faut que ce soit une surprise. Alors, le temps qu'on va derrière le pas... On va tous expliquer, ça, nous. Allez, viens. Dites-moi, où en êtes-vous dans vos préparatifs? Ah, on a terminé, là, Seigneur Bobino. Ah bon? Petit peu, grand frère, le temps d'ouvrir les rideaux. Oui. Là, tu devines sur quoi? Ben, je le vois, c'est l'écran de papier. Ouais. Et puis, oui, qui va vous servir à faire votre spectacle. C'est attention, en y faisant apparaître, grâce à un projecteur allumé, ouais, les ombres de petits personnages découpés comme celui-ci. C'est voilà. Ça. Ben oui, évidemment. Je t'avais dit que je voulais pas qu'on le montre avant. Oh, si, c'est vrai. Excusez-moi, je retourne là. Oh, voilà. Mais j'espère que vous ne l'avez pas vu. Hein. Oui, parce que si vous ne l'avez pas vu, il s'agit d'un petit lapin. Là, voilà. Nul, on vous donne une tige pour la manipuler. Je retourne la bobinette, je retourne derrière. Oh. Voilà. Alors, bobinette. Attention à toi. Oui. Au moment où je vais allumer, vous allez voir le décor. 1, 2, 3. Oh, mais en effet, il l'avait dessiné derrière l'écran, mais tout petit. Oui, ce qui permet de le voir en transparence. Et c'est donc un beau petit décor de campagne, là, au milieu duquel se promène le petit lapin que voici. Plom, plom, plom. Je suis un petit lapin, gentil et sociable, n'étant pas comme Bobinette, qui n'est pas aimable. Par exemple. Qu'est-ce que tu oses prétendre? Ah ben non, c'est pas moi ça qui chante ça, Bobinette, c'est le petit lapin. Oh, le petit espiègle. Écoute, Giovanni, c'est pour continuer. Non, écoute, non, j'arrête là. D'ailleurs, de toute façon, le petit lapin, il a plus envie de chanter, parce qu'il arrive tout à coup, comme ça, sous un gros nuage noir. Et puis, il voit la pluie qui se met à tomber. Mais oh là là! Heureusement, le soleil vient se montrer à travers les gouttes d'eau. Ah! Et qu'est-ce que ça fait, mon grand frère, quand il y a du soleil qui éclaire les gouttes d'eau? Mais ça peut produire ce qu'on appelle un arc-en-ciel. Et c'est ça qui est arrivé, hein? Voilà. Eh oui! Un arc-en-ciel est apparu dans le ciel! Eh oui, mais il est vraiment très beau avec toutes ses couleurs. Eh bien, alors, le petit lapin, il est venu se placer en dessous, comme ça, de l'arc-en-ciel, en disant... Oh, comme j'aimerais ça monter tout là-haut, dans le beau pays de l'arc-en-ciel. Et vous savez pas ce qu'il a fait, les amis, pour pouvoir y monter dans le ciel? Ouh, mais attendez. Il a dû faire comme sur le dessin que vous nous avez montré tout à l'heure. Exactement. Ben oui, alors, il a gonflé un paquet de gros ballons, voilà, comme ça, et il s'est suspendu en dessous, là. Et comme ça, de cette façon, il est monté dans l'arc-en-ciel tout doucement. Eh oui, et c'est ce qui lui a permis de rejoindre l'arc-en-ciel. Mais non, parce que là-dessus, il est arrivé un grand malheur. Mais quel grand malheur? Eh bien, un corbeau, un vilain corbeau, est arrivé en volant. Eh oui. Et vous savez pas, avec son bec, il s'est mis à crever les ballons. Patin. Mais Camerio, mais pourquoi regardes-tu ailleurs? Oui, pourquoi? Tu devines que le petit lapin a dû dégringoler? Et tu ne veux pas voir une scène aussi terrible? Oh, Camerio. Mais non, tu peux regarder, Camerio, parce qu'heureusement, tout s'est arrangé. Ah oui, comment ça? Ben, revenez sur lui, là, voilà, Seigneur Camerio, revenez, voilà. Bien sûr, voilà. Une fois les ballons crevés, le lapin est dégringolé. Seulement, il s'est pas fait de mal en tombant. Il s'est pas fait de mal? Non.
Non, 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 non. Et vous allez comprendre pourquoi, hein? Oui, le temps que j'éteigne le projecteur. La voilà. Et il s'est pas fait de mal, hein, parce qu'il est tombé dans les bras d'un petit garçon comme moi, qui l'a attrapé au vol. Et puis regardez bien, parce que... Oui. Le voilà. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai attrapé. Hein. Poum. Le petit garçon lui a dit... Bon, comme ceci lui a dit... T'en fais pas, mon petit lapin. Par la faute de ce vilain corbeau, tu as pu aller voir de près l'arc-en-ciel. Mais si tu veux, on va devenir amis tous les deux. Et je te promets que mon amitié fera naître dans ton cœur le plus beau des arc-en-ciel. Un véritable arc-en-ciel de bonheur, hein? C'est terminé. Et c'est là-dessus que se termine notre histoire qui nous a été inspirée par un dessin de notre ami Eric, ouais, de Dupuis en Abitibi. Ah ouais. Oui, mais attention là, il faut bien dire que vous deux, vous avez fait votre part aussi. Oh bon, non, n'en dites pas plus, ça vous pourriez nous faire rougir, seigneur. Alors, on regarde des dessins. Ah oui, on va jeter un coup d'œil sur les dessins des tout-petits. Voilà, ici... Qu'ils ont fait pendant les vacances, bien sûr. Ah oui, ce sont des dessins qui ont été faits pendant les vacances, regarde, bien sûr. Regarde, c'est beau. Ici, on a un dessin de David Letourneau de Matane. Ah, oui. Eh oui, Matane, c'est dans le bas du fleuve. Ah. Et ici, on a... Alors, il a dit, cet été, je vais faire la pelouse avec mon petit tracteur. Oh, c'est amusant. Mais les chansons, il a, ici, hein. Il a un petit tracteur. Noémie Pellerin, Noémie Pellerin des Jarlets, qui a 6 ans, de Trois-Rivières. Alors, elle va aller à la pêche avec... Enfin, elle est allée, parce que l'été est passé maintenant. Ah, ben, si. Elle est allée à la pêche avec sa sœur. J'aime voilà. Ça, la pêche. Noémie Pellerin des Jarlets. C'est bon, le poisson. Ici, on a... Karine Saint-Hilaire, de Granby, elle a 4 ans et demi. Cet été, je vais me balancer dans les fleurs. Ah, oh, c'est joli. C'est merveilleux, ça, de passer un été à se balancer dans les fleurs. C'est très joli comme dessin. Francis Claprode, qui a 6 ans, de la rue Fontainebleau, à Mont-Saint-Hilaire. Cet été, j'irai au parc en bicyclette. Et regardez-moi cette bicyclette, une véritable bicyclette olympique. Ah ouais, elle est magnifique. Oui, eh ben oui. Sébastien Gendron, qui a 5 ans. Alors cet été, lui, il est allé faire un pique-nique avec sa famille. C'est-à-dire c'est bon. Il en a probablement fait plusieurs. Ah, si, durant, c'est délicieux, les pique-niques. Sébastien Gendron, il a 5 ans et il est de Lauzon. Ah. Ici, un petit peu plus loin, Catherine Jaudoin, qui a 6 ans, de Chomédé. Elle a profité de sa piscine. C'est ça qu'elle a fait cet été, oui, regardez, Catherine elle Jaudoin. Elle nageait comme ça dans la piscine. De plouche, plouche. C'est ça qu'elle a fait. Exactement. Oui, mais sauf que, toi, tu n'as pas d'eau, là. Tu nages au fond de la piscine. Ah oui, ah oui. Ici, mais non, on a... piscine pour l'automne, voyons, mon grand frère. Ici, on a Julie Verfailly. De la 3e avenue à Deux Montagnes, un enfant qui reçoit cet été une pomme sur la tête. Oh, ouais. C'est ce qui est arrivé cet été. Au revoir, mes tout petits. Oui, t'as pas allez.